Il Camaleone. En 3 mois, c'était devenu le number one spot in town. Une véritable mine d'or. Mon restaurant, le Piaget. Une des meilleures tables à Montréal. On se pressait pour prendre le digestif au bar. Elles étaient belles, intelligentes et surtout, femmes d'affaires averties. Non pas des prostituées, mais des marchandes de sexe devenues mes associées. Oh, George, eccolo lì. Come stai? Bene, grazie. Senti, c'è una tavola lì preparata per te. Vai a vedere mare. D'accordo, grazie. Buon appetito. Les profits, mirobolants. On trichait partout, sur les bouteilles, les quantités, les factures. Mais les gens ressortaient toujours avec le sourire aux lèvres. Dans le fond, Scarfo avait raison. Moi et Vincenzo, on faisait jaillir la lumière. Les casinos existaient bien avant nous. Pourquoi alors les gens venaient jouer dans un endroit illégal? Parce que l'argent noir, c'est plus excitant que l'argent propre. Tout le monde connaissait la place. À cause des contacts de Giuseppe, on pouvait opérer sans être dérangé. C'était la Dolce Vita. Tard. Ben tard. Je peux t'attendre si tu veux. Je peux pas. Mon chum vient me chercher à 3 heures. Oh, parce que t'as un chum, toi. Ouais. Puis il est ben, ben jaloux à part de ça. Ah, OK. Venons dans ma facture. On va aller ailleurs. Hé, hey, je le connais, lui. Tony! Mon ami Tony Potenza! Hey, comment est-ce que Jimmy? Hein? Hé, hey, doucement, doucement. Ben, ça va. T'es sur le party, toi, là, hein? Hein, on va aller ailleurs. Ils sont pas assez compréhensifs. On va t'arranger ça, OK? Attendez. Ouais, merci, mon ami. Hé, hey, Serge. Ça, là, c'est mon chum. Tu me le laisses bien comme il faut. Je t'arrange ça. OK? Ça n'a pas d'allure, on va être riche trop vite. Bonne idée. Trop beau! Nous attendons comme mon cœur. Mon char, ça. Ah, il est là, d'abord. C'est mouillé, c'est. Bon. Hey, Alain, mon ami. Hey, Tony! Hey, oui. Hey, bon. T'es rendu, toi? Hey, je vais te conduire. Non, je vais conduire mon char, Je vais te conduire, comme ça, tu vas arriver en vie. Ah, ouais, vite. Ah, ok. Hey, en pas voulu, moi, je t'assure, comme si vraiment.
C'est des salopes, des salopes. Ah, tiens. C'est des salopes en sacrement, moi, tu sais, un enfant. Comme ça. Elle voulait rien savoir de moi. Ça va bien comme ça. Petit corps. Good. C'est quoi ça? C'est du lampoudre pour le café? Vince, je veux pas voir ça ici, hein? C'est pour des cadeaux, là, les clients, les amis. Tu sais comment ça marche? On va à l'heure fin si la police débarque ici. Mets ça ailleurs. Hey, attention, ça coûte cher, ça. Ben, c'est ça. Dépose-le à la banque. Si tu fais dans le coin, il n'y a plus personne qui veut te parler chez vous, quoi. Alain Valois, Tony. Qui? Alain Valois. Je ne connais pas. Le président juré au procès de Jimmy, il est mort. Comme mes affaires. Au Sirène, le club de danseuses, il a payé avec sa carte de crédit, puis il y a une couple de personnes là-bas qui vous ont vu ensemble. Ils m'ont vu. Hey. J'ai-tu l'air d'un gars qui se tient aux danseuses, moi? Tom, je t'appelle de famille. J'ai 4 filles à élever. Ben, anyway, sexuellement, c'est capote, c'est terminé. Alors, j'irai pas me faire souffrir aux danseuses, là. Hein? Et de toute façon, je suis contre l'exploitation du corps féminin. Moi, j'ai tout de respect pour la femme pour faire ça. OK? Pourrais-tu m'écrire ça dans un affidavit? Je m'avais cette idée, mais je ne sais pas écrire. Je sais lire. La dernière fois que j'ai lu le code criminel, ça disait que même avec un mandat, tu ne peux pas m'obliger à signer quoi que ce soit. Je m'excuse. Et comme je ne suis pas dans la police, je n'ai pas eu que ça à faire, José. J'ai lavé la vaisselle. Ciao. Tiens. Écoute ça. En 2 ans, les cigares, ils vont être une mode. Grazie. J'ai en train de préparer une salle avec scotch, cognac, cigares. Tourne. Tourne, c'est ça. Non, c'est mal, hein? Non, c'est mal. Jimmy dit rien de voir associé avec Vincenzo. L'argent s'en va tout à la même place. Mm-hmm. Salut. Salut. Puis, ça marche toujours avec... C'est une fille qui a du talent. J'ai vu une couple de dossiers qu'elle a fait. Impressionnant. Elle est bonne. Faut donner ça. Réal Vincent, ça te dit quelque chose? Bon. Très vrai. Il monte des dossiers sur des gens... influent. Je pensais qu'il avait travaillé avec vous autres dernièrement. Non, ça me dit rien. Tu as entendu parler de Fatso? Fatso.
Je pense qu'il est sous la protection de la police. De toute façon, faites son nom de Melio. Il n'intéresse plus personne. Viens. Ça, c'est la chambre. Ouh. Chambre des maîtres comme maître Soliotso. Hey, tu vas vite un peu, non? C'est pas que je veux pas, mais donne-moi le temps. Donne-nous le temps. T'as peur de quoi? Ben, tu vois encore la gang de Jimmy. Hein? Mais j'arrêterai pas de les voir parce que j'ai décidé de jouer clean. Arrête de dire que tu joues clean. Montre-le-moi. Ben, j'ai passé un mois en cours. Tu sais, j'ai pas l'intention de retourner. Tu sais pas ce que je veux dire? C'est juste... J'ai pas envie que tu subisses les conséquences de gestes posés par d'autres. C'est tout. Hé, hey, inquiète-toi pas pour moi, OK? Tout ce que je veux, c'est m'occuper de vous deux. Tu sais que Vicky nous a vraiment impressionnés en cours. Ah ouais? C'est une femme intelligente. D'après toi, est-ce que c'est une fille qui aura pu acheter un membre de jury? Non, pas vraiment, non. Quoi, vous pensez qu'ils ont peut-être acheté le verdict? Les rumeurs disent que Nikki et Victoria, ça devient de plus en plus sérieux. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vicky et moi, on n'est plus ensemble. J'irai pas y dire quoi faire. Habituellement, quand les gens tombent en amour, ils ont certaines affinités. Ça passe des grandes nuits à discuter des choses à d'autres. Victoria sait des choses qui peuvent intéresser Jimmy Vaccaro. Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi. La liste de tes clients, et des trucs comme ça. Écoutez, je vois pas ce qui vous inquiète là-dedans. T'as pas à savoir qu'est-ce qui nous inquiète. Le fait que ça nous inquiète est déjà suffisant. Où est-ce que vous voulez en venir, au juste? Nikki et Victoria, ça peut pas continuer. C'est trop dangereux. Si c'est une femme intelligente, elle devrait savoir que le monde de Nikki, c'est pas le monde pour elle. Capiche? OK. S'entendent bien ensemble, hein? Oui. Tu sais, Victoria, Nikki parle souvent de toi. Ah oui? Et puis, il est un bon garçon, hein? Il me parle souvent de vous aussi. Je vais les chercher. Pas pour une deuxième fois. Non. Si on doit partir pour être ensemble, on va partir. Le pire, c'est qu'elle a l'air sérieuse. Très. Aussitôt qu'on la monte quand on veut, on quitte. Ah, tu trouves pas que tu vas un peu vite? Il faut commencer à y penser tout de suite. Mais on va se donner un peu de temps, hein? C'est sûr que ce serait pas une mauvaise idée. Mais quoi? Mais rien.
Angie, c'est moi. Prends ça en note. EBK732. Je veux savoir ce qui. Viens me rejoindre à l'entrepôt. Pour qui? Ce bête-là. On fait la livraison. Fais ton petit comic, toi. On travaille pour qui? À la voix. Leslie. Angie. Basta. Qui ça fait à la voix? Laisse faire. Par exemple, c'est que j'ai causé là-dedans. Vous savez, je suis vraiment pas le genre de gars qui aime laisser des traces sur ce qui passe. Avez-vous une télécommande pour votre télévision? Vous l'avez nerveuse, mademoiselle. J'espère qu'ils t'ont pas trop brassé. Balsamo. Faut pas être trop intelligent pour faire ce que tu viens de faire. J'aimerais savoir ce que tu me veux au juste. Je veux que tu t'éloignes de mon fils. Pardon? Je veux que tu t'éloignes de mon fils. Tu penses que je vais avaler ça? Ça, c'est ton problème. La voix, je te connais pas. Des avocats, je les évite comme la peste. Mais t'es pas tombé sur le bon gars parce qu'on va se revoir en cours, Balsamo, ça, je te le promets. Si t'as quelque chose à me dire, tu viens me voir. Passe pas les messages par Victoria. Ramène-le, pète-se des merdes. Thank you.
c'est qui? Jimmy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as jamais invité. J'ai décidé de venir voir ce que ton château avait de l'air. Mon château? Faut pas exagérer. Allora, che mi racconti? Hai visto questo bel divano? Lo sai quanto l'ho pagato? Bello, eh? Assieduti. Ok, je te jure, là, la prochaine fois que tu sers de mes gars pour faire enlever l'ex de ta blonde, je te calisse une volée puis tu vas t'en souvenir pour longtemps. Une minute, hein? Tu rentres chez moi, pas de bonsoir, et tu commences à me piquer. Hey, Katsuchenko! Hey, hey! Parle-moi sur un autre ton! Regarde-toi. L'argent commence à te monter à la tête, hein? Changer, Nicky. Le Nicky que j'ai connu, il serait venu me voir. Il n'aurait jamais kidnappé Pierre Lavoie. J'ai décidé de passer un message. C'est tout. Pierre Lavoie, c'est calice de Nicky Balsamo. Ce gars-là, il est sur le payroll de Scarfo. Tu penses qu'il te fait suivre parce qu'il est jaloux? Oh! Hey, si Vittoria, ce lieu-là, te fait perdre la tête à ce point-là, tu devrais peut-être penser à remettre tes priorités aux bonnes places. Là, t'exagères. Je sais qu'est-ce que tu fais. Tu fais rien! L'argent, je connais ça, moi. Plus t'en as, plus t'en veux. Ça te fait perdre la raison. Tu l'as dit, Nicky. Fais attention. Je te regarde aller. Tu vas finir dans le mur à 150 000 à l'heure. Bonsoir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de me mêler de mes affaires. Ouais, ça vous fait rire, ça? Ben, j'ai son caractère. Ouais, sauf que là, je commence à trouver ça un peu heavy, là. Moi, j'ai pas envie d'avoir Nicky Balsamo sur le dos. Il faut reprendre les charges de Jérémy. C'est pas un environnement sain pour un enfant. Sa mère fréquente un homme violent. Écoutez, vous connaissez pas Vicky. Elle va faire à sa tête. Tu m'as dit que c'est une femme intelligente. Si elle doit choisir entre Nicky et son fils, elle va choisir son fils, voyons. Ah ouais. Tu sais, je vais voir ce que je peux faire. Mickey, c'est les petites belles filles à vivre. Ça, là, ça marche tout seul. Parle avec moi. Je veux parler avec c'est toi. T'es pas un peu malade, Nicky Balsamo? Il y en a une nouvelle, non? Mais sur quelle planète tu vis, faire enlever Pierre Lavoie, hein? Tiens, on va discuter ça dehors. Non, j'ai pas besoin d'aller dehors. J'ai pas besoin d'aller dehors! Laisse-moi! Imbécile! Mais à quoi t'as pensé? C'est pas Pierre Lavoie qui va venir se mettre le nez dans mes affaires. T'as fait exactement ce qu'il voulait que tu fasses. T'es tombé pile Vicky, dans son jeune sens, c'est pas dur à comprendre. Y a pas de piège, OK? Y a un gars qui me suit, je passe le message, ça finit là. Non, ça finit pas là! Pierre Lavoie, tu le connais bien mal, tu viens de frapper ton homme. C'est pas le genre de gars qui recule devant les menaces. Il fera rien, OK? De toute façon, c'est pas toi qui veux, c'est moi. Oui, mais c'est moi qui va devoir dealer avec. Écoute-moi bien, OK? Je ne suis pas une mafia mistress, d'accord? Puis si jamais c'est un trip d'égo que tu vis, va t'étendre sur un divan une coupe de session, hein? Ça va te faire du bien. Ma casse, t'en rends ça! Elle, je la marie. Amores, cos amis. Maraca, beau char, hein? Joyeux. Bambino, bambino. Nicky. Avec tes cheveux si blonds. Hey, Tony. Bambino, Tony. Bambino. Ouais. Qu'est-ce? Donne-moi les clés de ton char. Qu'est-ce que t'as? Donne. Tony. Enlève ce char-là devant mon restaurant. J'ai pas envie de passer pour un dealer de dope. Oh, okay. Oh. Hey. Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Non, laisse faire. Jimmy. Guarda questo. Nicolas Balsamo. Détective Dion, Sûreté nationale. C'est un état d'arrestation pour enlèvement et séquestration de Pierre Lavoie. Hey, parfait! Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat de votre choix. Avez-vous bien compris? Hey,
Hey, enlève-les. Enferme-les, barre la porte. Jette les clés dans la toilette puis tire la chaîne. Ça va y faire du bien. Hey, le spectacle, c'est fini, hein? Bon, qui veut du café? Tiens, porte. Ça arrête pas. Ça fait 8 fois qu'il vient me voir en 2 semaines. Hey, écoute bien, Chelano, c'est un flic. J'ai pas de mandat, pas le dis pas. Valois, j'ai pitonné ici puis là pour avoir des renseignements. J'ai laissé mes traces partout. Si tu voulais le descendre, t'aurais pu m'avertir. Quoi qu'on a descendu Valois, hein? Tony, prends-moi pas pour un cave. Le gars, il est trop chaud pour prendre son char. Il est capable de faire 10 km puis se parquer bien droit. Hey, fais attention. Piano, fais attention comment tu parles. Arrangez-vous pour qu'il me crisse la paix. Inquiète pas. Il t'achèlera plus. Jamais. Salut. Le petit est prêt? Il est pas ici. Il est où? Il est chez ma mère. Attends, t'aurais pu m'appeler pour me le dire? Je serais venu le chercher plus tard. Non, tu viendras pas le chercher plus tard. En fait, tu viendras plus le chercher. À partir de maintenant, c'est moi qui garde Jérémy. Pardon? Je peux pas laisser mon fils entre les mains d'une mère insouciante qui fréquente un criminel. Pierre Lavoie, jamais. Tu m'entends? Jamais! Écoute, on s'obstinera devant le juge, OK? Pas mal, puis pose bien des questions, c'est incite. Pas peur. Il va rien trouver. C'est pas lui, j'ai peur, moi. C'est l'autre, Vincent. C'est pas son genre. Ouais, c'est pas son genre, mais j'attendais pas de temps en prison pour lui poser des questions, OK? Hey, Cacaron, aspect, hein? Réal Vincent, c'est un chum de Giuseppe. On va attendre avant de bouger. Oh! Nicky est sorti. Il a payé son cautionnement. 100 000. Hey, good! Il est rendu plus riche que moi. Veux-tu le lapin? Non. Il veut marcher à l'honneur et il va se débrouiller tout seul. Moi aussi, j'étais là. Je suis aussi coupable que lui. Hey, Jimmy, je suis pas d'accord avec toi, pantoute, OK? Il est bien fait. C'est même pas la voix. C'est Victoria. Elle est en train d'y faire perdre la tête. Il est en amour. Hey, ça dans mon lit, une belle fille comme ça, tu vois, m'a pas de la tête, moi aussi, hein? Mais pas pour longtemps. Couple d'heures, peut-être. Une couple d'heures, peut-être, mais dans son cas, c'est permanent. Chris, il y a de l'aide d'un gars qui s'entraîne pour les Olympiques. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Mais je vais le régler, ton problème. Non, Nikki, tu te mêleras pas de ça. Ça va se faire de façon réfléchie. De même façon que des gens qui ont une tête sur les épaules agissent quand ils ont un problème. Ah bon, Pierre Lavoie qui est rendu avec une tête sur les épaules, hein? Tu vois, toi, c'est ça, ton problème. T'es contrarié, tu y vas avec les gros bras. Quelqu'un qui réfléchit, il appelle la police quand quelqu'un le suit. Ou alors, il prend le téléphone puis il pose les bonnes questions aux bonnes personnes. Il règle pas ça à coup de batte de baseball. Je peux pas parler avec un gars comme Lavoie. Mais Pierre Lavoie, mais je m'en fous! T'aurais pu lui donner une bonne volée, même ça m'aurait pas dérangé. À la limite, t'as bien fait. C'est pas ça le problème. Le problème, là, c'est que t'es tombé pile dans son piège. Il voulait te provoquer, il se retourne de bord, il demande la garde de Jérémy. Pour faire chanter Nicky Balsamo, pour me faire chanter moi! Ça m'a quand même coûté 100 000 en cautionnement. Hey! Arrête de faire des belles promesses, là, puis agis-toi en conséquence, OK? Nicola Balsamo, tu dois me dire qu'est-ce que tu as dans la tête. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Faire enlever une personne? Et surtout un avocat? Écoute-moi bien. Pierre Lavoie, c'est un de mes associés. Tout le monde le sait, et toi aussi, tu le sais.
Si t'avais un problème, il suffisait venir me voir, m'en parler. Et pas commencer à jouer le matador et le torero. Surtout avec des gens qui travaillent pour la famille. Tout ce qu'il veut, c'est de faire chanter Victoria. Il veut lui enlever la garde de Jérémy. Mais quel type d'homme est capable de faire quello? Premièrement, c'est le père de l'enfant. Deuxièmement, tu laisserais, toi, un enfant de 6 ans dans les mains d'un homme qui ne sait pas contrôler son caractère? Non, 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 non. Nicky, Vittorio Sogliuzzo s'est mis de laisser tomber. Elle ne t'apportera rien de bon, ni pour toi, ni pour elle. Il a fait une erreur. Bon. C'est déjà bien. C'est déjà bien à reconnaître. Bon, ben, je vais essayer de faire quelque chose. Ça va prendre un peu de temps. Mais je te promets, je vais faire quelque chose. Grazie. À propos, le business, ça va? Abbastanza bene. Je sais, ça va très bien. Je suis très content pour toi. Et le procès aussi, ça marchait très bien. Très, très bien. Bon move. Jimmy qui achète un membre du jury. Très bien. Nicky, on dirait que tu es surpris. Dis-moi pas que tu n'étais pas au courant. Qu'est-ce que vous faites des cachotteries? Bon, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. On se fait des spaghettis. Ah ouais. Bonjour, Victoria. Hey, oui. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hein? Oui. Et Monsieur Lavoie est occupé. Je vais te parler. Troisième porte à gauche. Yves Maheu, c'est mon avocat. À partir de maintenant, si tu veux me parler, c'est lui que tu vas voir. Je vais revoir Jérémy. C'est criminel, ce que tu fais là. Cet enfant-là, il a besoin de sa mère, de ses amis, de son monde. Il vient de m'appeler. Il a surtout pas besoin de Nicky Balsamo. T'avais pas d'affaire à le faire suivre. Écoute, je vivrai jamais assez vieux pour voir un mafieux dans la même maison que mon fils. On va se revoir en cours, Pierre. Tiens, t'iras convaincre le juge qu'il se passe rien entre toi et Nicky Balsamo. Les petites marches dans le parc, madame qui fréquente l'hôtel de Nicky Balsamo. Ah, celle-là non plus est pas mal. Madame au restaurant de Jimmy Vaccaro. On va parler de tes clients. Hein? Jackson, Aubert, Demers. Hein? J'ai monté un petit dossier. Le nom de ceux pour qui le bureau a blanchi de l'argent, les compagnies à numéro, les comptes aux Bahamas. Si tu veux jouer comme ça, Pierre, on va jouer à deux. Arrête ça, Vicky. Le bluff t'a jamais été capable. Puis oublie pas, toi aussi, t'as signé ton nom en bas des dossiers. Hein? Ah, tiens, j'oubliais. Je vends la maison. J'ai mis ça entre les mains d'un agent d'immeuble. Ta maison, tu peux te la mettre où je pense. Ce que je veux, c'est mon fils. Il fallait y penser avant. Maître Sogliuzzo, vous vous souvenez de moi? Tom Cellano. Je pense qu'on a deux mots à se dire. Je crois pas, non, je suis pressée. Juste demain. J'ai un problème, un gros problème. Alain Valois, le président du jury, il est mort dans son auto. Avant le procès, Valois avait des dettes, beaucoup de dettes sous la loi de Lafayette. Vaccaro et Balsamo sont trouvés non coupables. Valois paye ses dettes, carte de crédit, l'impôt. Pas loin de 100 000. On a vérifié. Il n'a pas gagné la 649. Monsieur Cellano, les problèmes financiers d'Alain Valois, c'est le dernier de mes soucis. Alain Valois, il parlait trop. En fait, les autres membres du jury avaient l'air de penser qu'il était le président de fan club de Jimmy. Ils ont pourtant blanchi mon client de toute accusation, non? Bon point, bon point. Mais Valois s'est tapé la gueule. Depuis deux mois, partout. My friend Jimmy, his buddy Tony Potenza. C'est
Si vous avez des choses à régler avec Vaccaro et Potenza, il faut s'adresser à eux. Moi, je me suis dit, si Vittoria Sugliuzzo est assez forte pour brûler un de mes informateurs, peut-être elle est aussi forte pour acheter un membre de jury. J'aimerais tellement ça que vous écriviez ça dans un journal. Hein? Je vous ferais perdre vos petites culottes. Valois s'est fait acheter. Il est mort parce qu'il a trop parlé. I know it and you know it. Je peux pas prouver pour maintenant, mais ça, ça vient. And then I'll nail your ass too. Monsieur Valois parle un peu trop. Monsieur Valois meurt. Vicky, arrête le bullshit. Qu'est-ce que tu essaies de dire? T'as acheté Valois. Chelano le sait, puis maintenant il est après moi parce qu'il pense que c'est moi qui l'ai acheté. Écoute, je lui ai fait perdre un informateur. Tout ce qu'il souhaite, le monsieur, c'est de me voir pourrir en prison. Oh. Belle histoire, ça. Hai fatto quello senza mi dire niente. Tu state zitto. Non ho mai implicato Vittorio. Che cazzo pensavi? Fermila. Ma io non chiudo niente. E se è lei che c'ha il problema. Ma che sono io, eh? Tuo piccolo canino che so. On va se faire, je vais prendre un taxi. Toi, t'es sûr que ça va? Oui. Fais attention à toi, Nicky, OK? Je te vois à la maison. Laisse-moi une petite heure, OK? J'ai besoin d'être seule. Je m'excuse, je suis allé trop loin. Je voulais pas, je... Reste ici, là. C'est ta maison autant que la mienne. Je m'excuse. Je sais pas quoi te dire de plus. Justement, t'as dit ce que t'avais à dire. Maintenant, tu peux t'en aller. Je t'avertis, Vicky. Si tu pars avec lui, t'oublies Jérémy. Bon, si tu pars pas maintenant, j'appelle la police, OK? Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu dis plus rien tout d'un coup? Ah, c'est sûr, ta gang est pas là. Tu dois être fier de toi, hein, Vicky? Bravo! Fais ça. Tony. Qu'est-ce qui arrive? On a un problème. Ouais. Mon nom circule un petit peu trop, là. Oh, mais ça va se calmer, ça. Hey, on va prendre les moyens pour ça. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'irai pas en prison pour personne, OK? Parce que tu penses que c'est moi qui vais t'envoyer là? J'attendais pas de le savoir. Ça me donne rien de courir. Je m'excuse. C'est pas personnel.
te demande, s'il vous plaît, ne lève plus jamais la main sur moi. M'excuse. J'aurais pas dû faire ça. C'est juste... J'aime cette fille-là. Je sais. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Choisi, Nicky. Tu peux pas vivre dans deux mondes. Victoria a ses affaires, toi, t'as les tiennes. Faut pas les mélanger les deux. Ça marche pas. Nicky, veux-tu te faire plaisir? Veux-tu dire à ta petite Vicky de faire bien attention à ce qu'elle raconte. Parce que si tu le fais pas, je vais être obligé de le faire. Ascolta-mi bene, hein? Io ti amo. Ma te lo giuro. Se tu la tocchi, ti strapperò il cuore con le mie proprie mani, mi capisci? Stasera. E chi? Réveille-toi, t'es en amour, tu vois plus clair. C'est mieux de laisser tomber Victoria tout de suite, avant que ça tourne mal. Tu peux pas t'asseoir sur deux chaises en même temps. Watch me. De Jimmy. Non. Je t'ai jamais cru quand tu disais que tu voulais t'en sortir. Maintenant, je te crois. Je veux partir, Nicky, le plus vite possible. Pas sans Jeremy, hein? Pendant combien de temps je pouvais encore lui mentir? Tony avait passé son message et je commençais à craindre Jimmy. On s'était tellement éloignés, lui et moi. Partir, c'était un rêve, c'était pas la solution. La vraie question, c'était de savoir si j'avais les moyens de la protéger.